Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pack opening sur le jeu Dragon Ball Fusion World, mais cette fois-ci sur la version digitale avec mes propres gemmes que j'ai farmées. Voilà, j'ai 1720 gemmes comme vous pouvez le constater en haut à droite de l'écran. Et là, j'avais envie de me faire un petit kiff, une petite vidéo pour aller ouvrir 10 packs, donc c'est-à-dire avec 1000 gemmes, tout simplement, et pourquoi pas choper une secrète, ou alors choper du leader. Tu vois, j'aimerais bien, tu vois, du leader couleur pour faire un deck jaune, j'aimerais bien également beaucoup plus de cartes de type vert pour me faire un deck vert, et forcément, j'aimerais bien la secrète de Gon que je n'ai toujours pas, et pourquoi pas un doublon de la secrète de Migaté, parce que ouais, je joue deck rouge, mais pour l'instant, j'ai qu'une seule Migaté en alternative, celle à une étoile, j'ai toujours pas celle à deux étoiles, et j'ai toujours pas la Migaté secrète normale, si j'ai envie de te dire, sans qu'elle soit alternative. Donc, on va essayer de tout faire, on va essayer d'aller choper ça, voilà, comme vous pouvez le constater, là, 1000 gemmes, hop. Donc on va mettre max, hein. Hop, voilà, tac, voilà. Il va me rester 720 gemmes, et du coup, les amis, et ben voilà, on va essayer de tout donner, et on a une secrète. Mais c'est une secrète, regardez ça, la lueur rouge, c'est de la secrète. Non. Les amis, on est bien. Donc là, déjà, on sait qu'on peut avoir soit le Gohan, soit le Migaté, mais c'est... C'est un délire, les gars. Donc, pourquoi je sais que c'est une secrète, en cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, parce qu'il y a une lueur rouge autour du pack. Allez, let's go. On le fera à la fin, bien évidemment, pour la secrète. Hop, oh, oh, oh. Et bah voilà. Une couleur type jaune SR. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Ça commence vraiment bien. Ok. Donc, au niveau des couleurs, hein, les amis, là, par exemple, bleu, ça va être une leader. Voilà. Oh. Mais ça c'est une Black Goku alternative, leader. C'est quoi ce pack opening de fou, là? C'est quoi ce pack opening de fou, les amis? On a chopé une Black Goku leader alternative. J'ai envie de vous dire que c'est pas mal. C'est quand même pas mal ce qui est en train de se passer, là. Donc, la secret, voilà, c'est la lueur rouge. Je la garde pour la fin. Quand c'est jaune, c'est rare. Quand c'est violet, c'est SR. Et quand c'est bleu, c'est leader. Donc là, ok, bref. Ok, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Après, enfin, je dis on s'en fiche, mais en vrai de vrai, non, on s'en fiche pas tant que ça. Parce que, bah, même des petites cartes... Oh, là, oui, ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Même si c'est des petites cartes, et bah, pour le deck, c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir jusqu'à 4 doublons. Et du coup, c'est intéressant. Donc là, par contre, là, on a une rare. Ok. Hop, ok, ok. Donc là, ça va être la rare. Ok, très bien. Alors lui, on peut pas le mettre KO, lui. Lui, on peut pas le mettre KO sur le terrain. Juste avec une extra carte, si je dis pas de bêtises, tu peux le détruire. Mais par contre, il ne peut pas être KO. T'as beau le taper même à 40 000 de puissance, il tombera pas, le machin. Ok, ok. Bon, let's go. On va continuer, tranquillement. Donc là, pas de lueur, à moins d'avoir un switch. Pourquoi pas. Oh, une leader. Bah, c'est parfait, ça. Bon, et pour l'instant, les amis, oh, pas mal aussi, ça, le petit bloqueur de C17 en type rouge. Oh, encore un switch, encore une SR, wow! Bah, on prend C18, on prend en SR. Vous voyez les switches, là? Ok, la leader. Beerus, ok, bon, je l'avais déjà, Beerus. J'avoue, j'aurais préféré couleur. Un petit couleur en leader type jaune, ça m'aurait fait kiffer, pour essayer de me faire un petit deck jaune. Voilà, bon, ok, bon, pas de couleur autour du pack, mais bon, oh bah, pas de couleur, mais encore deux leaders. Mais qu'est-ce que c'est que ce pack opening de zinzin? Ok, Whis, encore, c'est pas mal, leader. Oh, le couleur leader. Ah bah, voilà les amis, j'ai envie de vous... Non, mais c'est ouf. Mais en fait, je crois que je vais invoquer un peu plus souvent et que les gemmes, là. Oh, le guignou couleur. Le guignou couleur. Le Ginyu type jaune, c'est celui-là, le couleur, ok, type jaune, et du coup, j'ai également le Ginyu type jaune. C'est la folie, les amis, c'est la folie. On est pas mal, franchement, max de likes sur cette vidéo, c'est une dinguerie, c'est de la singerie, on se met bien. Ok, il y a Jirobe, la petite rare, ok, Docteur Gero, ok, le Roi Cole, Pan, ok, ok, Fuwa, pourquoi pas. Vas-y, 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 vas-y. Non, chill. Je m'attendais peut-être à un petit switch, mais non. Ok, très bien. On continue. On se rapproche de la secrète. Hein. Allez, let's go. Fais-nous kiffer. Encore une leader. Eh bah, écoutez, c'est quand même pas mal. Hein. En termes de leader, là, on va se mettre bien quand même. Hein. Ok, pas de switch.
Ouais, Rikoum, ok, pourquoi pas. Ok, Kula. Oh, le Gohan, je ne l'avais pas. Eh bah, écoutez, Gohan type vert, c'est quand même pas mal. Ok, je prends. Je suis plutôt satisfait, les amis, là, pour l'instant, de ce qui se passe, là. Donc là, maintenant, il y a la Secret et deux SR. Donc, fais voir celui-là. Oh, bah oui, bah forcément, j'avais envie de vous dire. Oh, pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, du coup, pour le deck jaune. Ok, let's go. Donc, la dernière carte, ça sera pour la SR. Ok. Ok. Allez. La SR. Oh, Trunks. Je prends. Pourquoi pas. Allez, let's go. Let's go. Il reste deux packs, les amis. La SR encore là-dedans. Et après, on passe à la Secret. Ok, let's go. Alors. Ok, il y a Girobé. Ok. Pourquoi pas, pour le deck jaune, c'est pas mal, hein. Ça me fait des belles choses, hein, pour le deck jaune. Ok, super combo, deck rouge, ok. Très bien, Zamasu, le Piccolo, et attention, la petite SR, fais-nous plaisir, et c'est encore, c'est 18, je l'avais déjà eu tout à l'heure, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ok, bon, en vrai de vrai, on prend. Les amis, ladies and gentlemen, la Secret. Donc là, franchement, les amis, je voudrais un doublon de Mugaté. Après, si c'est Gohan, on prend. Mais clairement, je veux un doublon de Mugaté. Allez. Ok, donc, on va la faire à la fin. On va la faire à la fin, la Secret. Ok. Oh, pas mal, ça. C17, bloqueur, pas mal. Ok, hit. Oh, ça, c'est pas mal, ça, le hit. C'est pas mal du tout. Très bien. Ok. Très bien. Ok, deux fois la même. Très bien. Allez. Ok, oh, la petite Gohan type vert. Et maintenant, la Secret. Goku Ultra Instinct, s'il te plaît. Mugaté. Et ensuite, on pourra passer au Gohan. Mais d'abord, Mugaté. Mugaté non, Goku ! Incroyable, les amis. Incroyable. On l'a fait tomber. On l'a fait tomber, le doublon. On l'a fait tomber. Non, c'est... Cette vidéo est exceptionnelle. Cette vidéo est totalement exceptionnel. Là, c'est... Je sais même pas quoi dire. Les amis, je sais même pas quoi dire. J'ai un doublon de Mugaté pour mon deck rouge. Bah... Est-ce que ça ferait pas une petite danse? Mugaté! Bah là, on est bien, les amis. On est bien pour mon deck rouge. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu la Mugaté alternative, une étoile. On a le Mugaté, donc 0 étoile, mais on s'en fiche. C'est la même chose, surtout pour la version digitale. Ça me fera 2 Mugaté. À savoir que si on pourra en choper encore des doublons, on pourra jusqu'à 4 doublons dans mon deck. Là, c'est la cerise sur le gâteau. En vérité, je suis super content. Maintenant, voilà. Le fait d'avoir le doublon, c'est bien. Il va me falloir maintenant des cartes secrètes Gohan pour le deck vert. Les amis, franchement, exceptionnel cette vidéo. Pack opening, leader couleur qui est tombé, carte SR de couleur qui est tombé, le Mugaté qui est tombé, le Gohan leader type vert qui est tombé. Non, franchement, la folie. La folie, puis également le Black Goku alternatif en leader qui est tombé. Max de pouces bleus en mode Genki Dama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous avez packé du lourd sur la version digitale. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.